Alors, avec ce ricochet, Pierre, il obtient une belle position, là. Sullivan qui perd position, Pierre se retrouve avec la blanche appuyée sur le coussin. 33. Alors, ce sera une très belle boule, là, s'il réussit cette rouge. Avec quelle facilité, en plus. 34. Oh. Alors, O'Sullivan, Pierre, je crois qu'il a bien fait son travail jusqu'à maintenant, là, avec cette bleue au centre. Il n'a plus qu'à glisser et prendre position pour cette rouge dégagée à gauche. Bound. En retrait. Alors, en retirant pour la rouge au centre, voilà. Alors, Fergal O'Brien, lui, qui a tenté de jouer une partie fermée avec Ronnie O'Sullivan. On a bien vu de quelle façon il s'en est sorti, lui-là. Là. 63. Avec la combine en partant, c'est bien placé pour la jaune. Et avec l'expérience, il n'a pas tombé dans le piège non plus. Il n'avait qu'une boule de dégager au bas de la table. Il est revenu prendre position à la perfection pour cette rouge. Depuis 4 minutes et demie maintenant qu'il est au jeu sur cette série. Alors, on peut voir la rapidité de jeu de Ronnie O'Sullivan. Incroyable. Lorsqu'on sait que la première partie, Pierre, a duré plus d'une heure. Oui. 79. Imaginez un match avec Tony Drago et Ronnie O'Sullivan. 87. Eh bien, Ronnie O'Sullivan qui nous donne sa petite touche magique et sa contribution à ce match très important entre l'Angleterre et la République d'Irlande. Donc, portera la marque à 9-8, croyez-le ou non. 94. On revient à une partie d'écart dans ce match. 99. Voilà, l'excellent travail de Ronnie O'Sullivan. Nous faisons une courte pause. Nous vous revenons tout de suite après pour la suite de cette demi-finale.